ngera nkubita amavi hasi zengubwira kabiri nagira ngo nonde kanyamba jambo naburiri banza niriheruka kuko nayobye kenshi namushavuza sinashikira ubwiza bwe nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga ziramubera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye nakumenye kenshi usoro ushiriraho uhanura karindwi ishuri ibihumbi byinshi ndakubabariye nuko nkiyamagara imbabazi ziwe ziritaba naragira icyo mvuga zirambobera ziti ngwino usange mutima nkunda cyane ndakubabariye Ah!
Hallelujah. Tranezerewe, we are so happy, so glad to be in this place. On est tellement heureux de vous avoir avec nous pour cette deuxième cérémonie de remise de diplôme de BCC, Bible Communication Center. Can I ask you to stand up? Est-ce que na basaba guhaguruka? Maybe if you didn't come with your neighbor, you can say hi, you can wave. Tu peux un peu dire bonjour à ton voisin, ta voisine. Not the person you came with, pas la personne avec qui tu es venu. You know, but greet your neighbor. We just want to take a moment and worship God and thank God for what He has done. Nous voulons prendre un temps pour adorer le Seigneur, le remercier pour ce qu'il a fait. One of the graces that we have is that our God speaks and our God teaches us. He teaches us righteousness and wisdom. Alors nous voulons prendre un temps pour l'adorer. On va chanter dans toutes les langues, dans plusieurs langues, du moins, pas toutes les langues, mais plusieurs langues. We're going to sing in many languages. Mais le point central, c'est des actions de grâce. Le chant qu'on va chanter, il dit « Voici ce qui m'a libéré, ce qui a fait de moi d'un esclave à un enfant, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui a le nom le plus élevé. Jesus Christ who has the highest name. » Donc, même si tu ne connais pas la chanson, dis tes actions de grâce à ton Dieu. If you don't know the song, just raise your own song. You know? Mais on veut vraiment aller ensemble. We just want to worship together. Ooh, ooh, ooh. Oh, un vita tu mnie minduka nitku. Yeah.
Deserves the praise, the one who deserves all worship, it is only you. Hallelujah. I think the students are ready, if I am not mistaken. So I think we will get ready to welcome them. And we will sing a song of praise in the meantime. Hallelujah. Are we ready? All right. Can we sing? Oh, can we first get ready, maybe? Okay. Woo! Yeah.
Lord. Hallelujah. Hallelujah. Est-ce que c'est possible de vous demander de vous lever ou bien vous êtes dans vos honneurs aujourd'hui? On peut quand même louer le Seigneur. Hallelujah. Je voudrais qu'on chante tous ensemble un chant qui dit: tu le mérites. Mon Alléluia est juste pour toi. Mon Alléluia, je l'ai réservé juste pour Dieu. Hallelujah. We're going to say you deserve it. Let's sing it together as we welcome. Célébration. Alléluia pour le Seigneur qui nous a tellement enseigné. On va chanter ensemble, louer ensemble. Pour moi.
Oh,
t'es pas entendu? Gloire à celui qui nous enseigne. Gloire à celui qui est vivant pour nous. Bienvenue encore une fois si vous êtes venus après qu'on ait commencé. Welcome once again à deuxième cérémonie de remise de diplôme de BCC. Est-ce qu'on peut applaudir? On peut peut-être remercier le Seigneur. Second graduation. And I think in Swahili on dit nabado. Donc, il est encore en train d'agir.
Nous avons nos 120 merveilleux graduants aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les applaudir? Qui ont eu le courage et la ténacité d'apprendre. So these are our 120 graduates for today who took the opportunity or the grace to study, right? Psaume 119, verset 18. Le psalmiste dit, ouvre mes yeux pour que je voie des merveilles dans ta parole. Amen. Et quand nous avons l'opportunité d'apprendre, nous sommes bénis, nous grandissons, nous connaissons notre Dieu. C'est ce que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. Hallelujah. J'ai un chant dans mon cœur que je veux chanter. Est-ce qu'on peut chanter? I think we can. I think I want to say, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. You are the way maker, way make, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Est-ce que tu lui as souhaité la bienvenue dans cette cérémonie? Si tu ne connais pas son nom, c'est le moment opportun pour dire bienvenue frères et sœurs, bienvenue dans cette cérémonie. Hallelujah, praise the Lord. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué aussi pour la présence
de l'apôtre Massasou et de son épouse, bien sûr. Chandelier, vice-chandelier, nous sommes tellement dans la joie de vous accueillir encore une fois à Ottawa. Que Dieu soit loué, qui vous a protégé. Nous avons encore la grâce d'apprendre de vous. Je vais vous inviter à vous mettre, à vous asseoir. Et je vais inviter les chantres. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir les chantres qui ont fait merveilleux travail? Merci beaucoup. Et donc, je vais m'entretenir avec certains des graduants. I just want to have a talk with some of those who are graduating today. Parce que peut-être certains d'entre nous n'avons pas pu participer au cours, mais peut-être que nous sommes intéressés, peut-être que nous voulons le faire l'année prochaine et nous voulons savoir qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Donc, je vais inviter les quatre panélistes à venir me rejoindre ici et on va écouter, on va apprendre ensemble avec eux qu'est-ce qui a changé dans leur vie, qu'est-ce que Jésus a fait. Donc, je vais inviter Nadine, Tchétché, Victor et Don à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Merci aux musiciens aussi. Hallelujah. Gloire à Dieu. C'est vraiment à la canadienne. Tout le monde est en train de céder la place à tout le monde. On est tellement polis au Canada. Hallelujah. D'accord. Les dames d'abord, j'imagine. Ok. Je pense qu'on ne va pas, pendant qu'ils amènent les chaises, on va tout simplement commencer. Et nos gentlemen vont rester debout. Ils sont assez solides en attendant qu'on amène les chaises. Sauf que peut-être, ça va être compliqué. On va peut-être attendre. Wasta hili wewe Bwana, wasta hili wewe Bwana, wasta hili wewe Bwana, kupokea, kupokea utu kufu, wasta hili, wasta. Wastahili wewe Bwana, oh, wastahili wewe Bwana, kupokea, kupokea utukufu. Amen. Can I have a microphone? Est-ce que je peux avoir un micro? Ah, on peut prendre ça? Okay. Alléluia. Alors, j'ai quelques questions pour nos graduants, au moins ceux qui vont représenter les autres. Je vais commencer avec maman Nadine. Ça va bien? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant que tu arrives à BCC? Est-ce que tu étais déjà chrétienne? Est-ce que c'est là où que tu as été sauvée? Qu'est-ce qui t'a amené à prendre les cours? Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, ma sœur Viviane. Amen. Avant tout, ndashimiye Imana yadushoboje gushika uyu munsi. Ndashimiye abimana yadepojemo izikuza BCC. Je rends gloire à Dieu pour ces cours, pour ceux que Dieu a utilisés pour qu'on puisse les suivre. Mwarakoze ku bikoresho byiza. Merci d'avoir été des bons instruments. Merci à mes professeurs, Papa Blaise et Abigail. Mwarakoze. Amen. Amba djengo
J'étais chrétienne, j'étais sauvée, j'étais à l'église comme tout le monde. Amen. Ariko BCC aho yansanze nakomeje gusenga Imana mvuga ni Imana. Je priais, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais dire? Donc, j'ai fait le premier cours intensif en 2022. Et ça s'est bien passé, je rends gloire à Dieu. Donc là où j'étais chrétienne, mais une étape que j'ai pris, c'est celle de la consécration. Nakuriye mu muryango w'abakatolika ariko maze gukizwa hagera ico gihe mbonumenga ntatandukaniro y'umuntu akijijwe n'umuntu wo hanze. Donc j'étais dans une famille chrétienne, mais j'ai remarquer qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre quelqu'un qui est sauvé et quelqu'un qui est en dehors. Ma comportement au monde humain a qui me dérangeait beaucoup jusqu'à ce que nous vous mengeons vivants, nous vous mengeons qui suivent dans les catholiques. Il y avait des comportements dans la maison de Dieu qui me dérangeaient. Je pensais que autant que je retourne à l'église catholique. Et lundi quand d'assengi chima na yani wokije Yama image, yumunari mubitaro akene transfusion. Amen. Donc Dieu m'a donné une image de quelqu'un qui est à l'hôpital qui a besoin d'une transfusion. Muna kene kuba mwa mara sokugira shisubire kubaho. Pour qu'on lui donne du sang afin qu'il puisse vivre encore. Nuvijwirimbiye ngo nawe naje kukongereza ubuzima. Et une voix m'a dit, je viens encore te donner la vie. Na warugiye gupfa. Tu es allé mourir. Kuko ari kuraba ivyo abandi bakora ariko ni wari kuraraba je w'Imana. Tu regardais ce que les autres font au lieu de me regarder moi le Seigneur. Ni ona fashe iyo décision y'ukwiga kuri BCC ava papa Blaise yari arayimbwiye mugo bambwira kuhegiriye numva ntameze ndwi no shobora nta mwanya noro ariko mu nyuma hatanguye intensive ndavuga ni Imana je modone ngiranje kwiga iyo kuru ndabico kintu cahinduye abandi bona abapapa nka Blaise bari citegererezo ndashaka nanje kwiga kugira numvize ivyari byo ko ndavyibuka asete moma nari getse kubwira umutware je numva no kwisubira muri katolika kubera mbona nta modele ngifise. Donc je voyais Blaise qui était un modèle, il m'avait invité au cours. Au départ c'était 7 mois, je voyais que j'avais pas assez de temps. Mais après, quand il y a eu les intensifs, je me suis dit, je vais suivre ces cours qui ont changé les autres. Et donc, quand on est arrivé au cours de la consécration, c'est là où j'ai vraiment eu le cœur de chercher Dieu pour moi-même, pas le Dieu de la foule, mais je voulais vraiment, j'ai appris les disciplines de chercher Dieu pour moi-même. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à savoir prier, avoir des disciplines pour prier par moi-même et j'ai vu des choses qui n'arrivaient pas à changer, commencer à changer. Ah oui, nous avons dit que c'est un mindurier. Numva ko ntakwiye kwiganyira ntakwiye kuvuga ntakwiye ariko nkwiye kumviriza umwuka wera gusa numva ya transfusio y'amaraso ndayarose bwa buzima buragarutse numva subiye kubaho numva subiye gukunda abandi subiye gukunda Imana kandi numva singitinya gukorera Imana uko bisa kose numva subiye kwambikwa izindi mbaraga izindi nkomezi zo guhaguruka ngo nkorere Imana. Rero mw'abantu muri ngaho mutaragira makuru ya BCC nukuri ndu muhamya kuvuga ko ari makuru ahindura na makuru ari facile na makuru atari compliqué uriga ikintu pratique par pratique barakubwira ingene wihana barakubwira ingene ugira deliverance barakwigishuka gira hantu kandi ukumva uri support nuri kuba supporter n'umuntu agushaka muri église yiwe canka gushaka hantu yiwe ariko agushakira kugenda mu ijuru. Donc j'ai commencé à avoir cette soif de servir Dieu, je n'avais plus la peur de servir et donc je vous
Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore suivi ces cours, ce sont des cours qui transforment. Je suis témoin pour dire que ces cours m'ont transformé. Je dis à quelqu'un qui dit, je n'avais pas beaucoup de temps. Moi aussi, je n'avais pas beaucoup de temps. Mais Dieu qui pourvoit le temps, il a choisi la couleur. J'ai un guide à la surprise, et je suis en train je suis en train de me faire des grande partie à BCC. Quand je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Imana ibaheze agire abazanye BCC yesaba umugisha. Amen. Et donc que le fait de ne pas avoir du temps ne soit pas un obstacle pour toi, pour moi, Dieu m'a fait une surprise au moment où j'ai commencé ces cours, où j'ai décidé de le commencer. Je suis allée en vacances en Afrique pour 4 semaines, c'est comme ça que j'ai fait la grande partie. Je me connectais à 2h du matin pendant que les autres dormaient pour prendre ces cours. Donc je t'encourage, toi qui n'as pas encore pris cette initiative de prendre ces cours. Merci beaucoup maman Nadine. On voit vraiment le zèle et l'assurance que vous avez et c'est admirable. Merci au Seigneur qui a fait cela. On va passer à la deuxième question avec Tchétché. La question c'est qu'est-ce que tu feras différemment après avoir suivi ces cours? Qu'est-ce qui, dans ta vie, dans la communauté, dans ta famille, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire différemment? Merci pour la question. Pour commencer, je pense que l'une des premières choses que je dirais que je vais faire différemment, c'est que je vais vivre ma vie sans peur. Sans peur. Oui. Les classes de BCC m'ont appris quelque chose sur la peur que je n'avais jamais considérée. La leçon en soi, c'était que toute chose, donc si tu as peur de quelque chose, tu fais de cette chose ton idole. Donc quand tu fais de cette chose ton idole, tu es en train de dire... Seigneur, j'ai peur de ça parce que j'ai peur que tu mets cette chose au même niveau que Dieu. Donc, ce que j'ai appris des classes de BCC et que je remercie, qui me permet d'avancer dans la vie, c'est que je peux continuer dans la vie sans avoir peur parce que j'ai un grand Dieu. Amen. Mon Dieu est plus grand que tout. Amen. Donc, il n'y a rien que je peux qui puisse me faire peur parce que mon Dieu qui peut échouer d'abdos. Yeah. Amen. Oui. Wow. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Troisième question, ça va être Don, je pense. Comment est-ce que la communion fraternelle ou les interactions avec les autres collègues t'ont aidé dans le cheminement? Je vois que vous ne suivez pas les cours tout seul, vous avez toute une communauté avec vous. Comment est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as appris par rapport à la communauté, l'importance des autres? Salut tout le monde. C'est Seigneur. Ça me fait plaisir d'être ici. Parce que déjà, ça faisait un moment que je voulais des temps de communion avec des Burundais et des Rwandais. Dans mon église, il n'y a pas beaucoup de Burundais et de Rwandais. Okay. Et le Seigneur a permis que je sois ici à BCC. Puis dans les temps de communion, fraternité, il y a des points que j'ai saisis, que jusqu'à aujourd'hui, c'est sur mon cœur. Le premier point, c'est le point de ton père dans la foi. Un père dans la foi. Et le deuxième point, c'est l'unité. L'unité entre les frères. Ça m'a beaucoup touché, voir des frères, tu parles à un, tu vas parler à l'autre. Les deux, ils ont la même pensée, puis ils se dirigent dans la même direction. Moi, ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup touché. Et aussi, ça m'a permis de comprendre pourquoi Dieu il m'a mis à mon église. Donc, c'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu as appris par rapport à l'importance d'avoir un père dans la foi? Qu'est-ce que ça a changé en toi? Est-ce que tu peux élaborer un peu sur ce point? En fait, moi, je portais une vision, une direction dans ma vie. Je savais qu'à mon église, mon pasteur, c'est la personne qui m'a amené au Seigneur. Mais je n'étais pas certain que c'était lui mon père dans la foi. Okay. Donc après, quand j'ai appris les cours, j'ai examiné ma vision et sa vision,
la vision de l'Église, où il se dirige, où moi je me dirige. Après, j'ai vu qu'il y a un lien. Donc, je l'ai rencontré, puis on a parlé, puis c'était ça. OK. Merci beaucoup. Gloire à Dieu pour cela. Et la dernière question va être pour Victor. Je sais que tu es probablement... Est-ce que tu es dans une communauté déjà? Tu es déjà dans une église? Parle-nous un peu de ton parcours avant que tu arrives à BCC. Oui, amen. Alléluia. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Vous êtes sûr? On est sûr. Amen, amen. Amen. Oui, je suis... J'étais né de nouveau... ça fait au moins 20 ans. Mm-hmm. Donc, quand je suis né, c'était... Donc, ma vie était comme ça. Et puis, quand le Seigneur m'a touché, c'était vraiment comme ça, là. Mm-hmm. Tu vois? Et après, juste quelques jours, j'ai commencé à servir le Seigneur. Mm-hmm. Depuis 2001, je sers le Seigneur avec ma femme. Il n'y a personne ici qui me connaît, mais je crois que Roger, vous pouvez demander Roger. Il m'a écouté quand j'étais en train de prêcher. Amen. Donc, alors, je vais juste vous demander pourquoi quelqu'un qui a servi le Seigneur, qui a expérimenté le Seigneur, qui écoute la voix de Dieu, qui prêche, pourquoi joindre le BCC? Parce que je crois que je veux encourager les gens comme moi. Vous pensez que vous avez lu la Bible, vous connaissez la Bible, vous attendez la voix de Dieu, vous servez dans vos églises. Mais mon frère, ce qu'il a dit, c'est très important de comprendre que il y a la vérité, mais vous avez aussi besoin de la grâce. Jésus, quand notre Père a représenté Jésus, il lui a présenté comme quelqu'un qui est rempli de grâce et de vérité. Quand tu prends les cours de PCC, tu vas voir la vérité. La vérité va t'affranchir. Tu vas être restauré, tu vas être délivré. Mais par la grâce de Dieu, tu vas aussi captiver le cœur du visionnaire. Et sa grâce sera à toi, si tu le veux. Et c'est ça que je cherchais. Dans ma vie. Dans mon ministère, tout ce qu'on fait, maintenant, avec ma femme, on est des intercesseurs. Et en prenant les cours, c'est là que j'ai compris, I am a support intercessor. Il y a deux types d'intercesseurs. Il y a des gens qui interviennent, mais il y a d'autres qui sont juste en arrière, qui supportent, qui voient des visions, tu ne le connais pas. Il serait dans votre église, il est là, il voit ton problème, il prend 7 jours pour prier pour vous. Tu ne le connais même pas. Ça, c'est moi. C'est ma grâce. Et j'ai compris. Quand j'ai compris, je dis, non, là, Dieu, tu m'as amené dans une famille et je suis là pour rester. Amen. Amen. Yeah. Tu as un peu répondu à ma question, mais je vais quand même la poser. Comment est-ce que tu vas transmettre ce que tu as appris dans ta communauté, peut-être au sein des autres intercesseurs, ou comment est-ce que ça va bénéficier ton église? La première chose, je vais quand même, à cause des enseignements que nous avons eus, je vais prêcher différemment. Okay. Je vais enseigner différemment. Je vais prier différemment. Le Seigneur m'a demandé, moi et ma femme, de suivre l'apôtre. Okay, de suivre l'apôtre. Le 31 décembre, j'étais sur la télé. Quand ils ont donné l'horaire là, de gêner, j'ai écrit toutes les dates. Amen. Ma femme me connaît. Là, je viens de perdre beaucoup de kilos. Amen. Donc, ma vie a complètement changé. À cause de cela, je vais vous donner un autre exemple. Récemment, notre pasteur était en train de prêcher sur l'église d'Antioche. Comment nous devons devenir une église d'Antioche?
Bon, je suis dans une communauté où il n'y a pas beaucoup de gens qui ressemblent avec moi. Donc, il y a peut-être 3 ou 4. Okay? Bon, alors, vous pouvez imaginer, lui, il est en train de dire, non, nous devons embrasser les autres qui ne sont pas comme nous. Et moi, je me dis, hey, mais lui, est-ce qu'il a été à BCC? Est-ce qu'il connaît la vision de BCC pour... Tu vois, mais c'est à cause que quand tu vois la grâce de BCC, partout où tu iras, même si tu ne parles pas des enseignements, cette grâce va entrer partout où tu vas. Mm-hmm. Amen. Amen. Et c'est ça que j'ai vu. Je me suis dit, Seigneur, j'ai trouvé ma famille. Amen. Et je vais rester. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci beaucoup à vous tous qui avez accepté de représenter vos collègues. Merci pour vos témoignages. Nous attendons de voir le miracle que Dieu va continuer à accomplir à travers nous, à travers vous et à travers nous aussi. Est-ce qu'on peut encore les applaudir, s'il vous plaît? Pendant qu'ils retournent à leur place. Et je vais inviter Blaise à venir nous présenter la vision de BCC Canada plus en profondeur. Dans une veille de prière, et puis j'ai dit que ça fait 2 semaines, j'étais en Afrique, et là-bas au Burundi, j'ai dit qu'au Canada, quand on dit gloire à Dieu, on dit très fort Amen, mais malheureusement, donc c'est pas le cas, mais on va l'éprouver. Gloire à Dieu, Amen. Gloire à Dieu, Amen. Amen. Mon nom. C'est Willy Blaise Iranyibutse et je suis le représentant de BCC Amérique du Nord. Moi, j'ai suivi ces cours de BCC en Europe. Et puis, j'étais un jeune chrétien qui vient de naître de nouveau et dans un milieu qui n'était pas du tout propice. Et en 2007, c'est là où je suis devenu né de nouveau. J'étais marié avec un enfant, un couple qui ne manquait de rien, mais à l'intérieur qui était vide. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas ce qui est de l'extérieur, ce qui est de l'intérieur. Et par après, j'ai rencontré l'homme de Dieu. C'était exactement au Danemark, pendant la Pentecôte en 2007. Et j'ai posé beaucoup de questions. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas de Instagram. On utilisait les courriels et les emails. Et puis, je posais beaucoup de questions. Et entre-temps, j'ai été baptisé sans être enseigné. Mais quand même, le baptême que j'ai reçu, elle est des dents. Amen. De temps en temps, il y a des circonstances, des bons accidents dans le Seigneur. Et moi, j'ai eu ce bon accident d'être baptisé sans être enseigné. Et je posais beaucoup de questions concernant le christianisme, concernant être disciple à l'homme de Dieu, le visionnaire de BCC. Et il me répondait, toutes ces questions que tu es en train de me dire, j'ai des enseignements que j'ai écrits, qui s'appellent BCC. Et en 2008, on a commencé à faire suivre ces cours. C'était à La Haye, si je me rappelle bien, en 2008. Donc aujourd'hui, je n'ai pas préparé le speech, hein, je vais parler cœur à cœur. Amen. Et 2008, on a commencé le cours de BCC. Je me rappelle bien le premier cours.
Ça s'appelait, je pense, missiologie, ou bien missiologie, discipola, transformation. C'était complètement différent qu'aujourd'hui. Alors, en suivant ces cours, étant jeune, marié, ça a changé ma vie. Et en 2013, on a gradué. Parce que nous, on a étudié 5 ans. Vous étudiez 3 ans, mais on a étudié 5 ans. C'était un bac complet. Pourquoi? Parce que on devait étudier 2 fois ou 3 fois par année ou 4 fois par année à Bruxelles. Les hommes de Dieu devaient voyager 4 fois par année pour venir nous donner les enseignements de BCC. Et on commençait le vendredi ou bien le jeudi soir, le vendredi et le samedi. Alors en 2013, on a fait la graduation, pas comme vous. Pas comme vous, parce que vous êtes beau et belle, avec des toges. Nous, notre graduation, c'était 3 jours, jeûne et prière. Et puis, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de nourriture. Et puis, on n'avait pas aussi de certificat comme vous. Parce que le certificat que nous avons reçu, le visionnaire, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, enlève vos chaussures, enlève vos chaussettes, et le certificat que je vous donne, je vais oindre vos pieds. Donc, c'est ça notre certificat que nous avons reçu. Alors, quand il nous a oint, il nous a dit, je vous envoie. Vous allez dans le monde et vous allez influencer, vous allez impacter. Certains des gens, avec les gens avec qui j'ai été gradué d'une façon spéciale, je ne sais pas là où ils sont. Ils sont où, apôtres? Je ne sais pas. Et en 2013 exactement, j'ai commencé à avoir l'idée peut-être de venir vivre ici au Canada. J'ai demandé qu'est-ce que tu en penses. Il a dit, c'est bon, il faut que tu ailles au Canada. J'ai fait une promesse, j'ai dit, Seigneur, si tu m'amènes au Canada par ta grâce, c'est pour que ce que j'ai reçu, les autres peuvent aussi le recevoir. Parce que j'ai remarqué que dans plusieurs églises, il y a beaucoup de fanatisme que du réalisme. Il y a beaucoup de problèmes que des solutions. Il y a beaucoup de confusion que de réalité. Dans plusieurs églises, comme notre sœur Nadine vient de le dire, plusieurs quittent la vie de Jésus pour retourner dans leurs anciennes religions. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand manque des gens qui ont connu la vérité. Et quand tu as franchi la vérité, tu n'as pas besoin de discussion parce que tu connais ce que tu connais. Et quand tu as la connaissance, on peut t'enlever tout, mais on ne peut pas enlever la connaissance. On peut enlever ce que tu as cherché, mais la source de ce que tu as eu, on ne peut pas l'empêcher de l'enlever. Et BCC m'a vraiment complètement changé. Et par sa grâce, on a commencé BCC officiellement en 2020, la COVID. Pendant que les autres hommes de Dieu avaient des struggles, nous, par sa grâce, en ligne, sur Zoom, on commençait les cours de BCC. Aujourd'hui, c'est la deuxième promotion. Si je me rappelle bien, on a déjà gradué presque, on va graduer presque 200 personnes dans 3 ans. C'est une grâce. C'est une grâce. Et de ce fait, j'aimerais vraiment remercier au fond de mon cœur tous les gens qui ont accepté de venir étudier et de venir être changés. Parce que tu peux avoir un très bon programme, mais tu peux avoir
aussi beaucoup de chance que tu ne peux pas avoir des gens qui vont venir les suivre. Tu peux avoir une très belle église et elle est vide. Tu peux avoir beaucoup de stratégies pour attirer le monde, mais ça ne marche pas. Donc, je voudrais remercier énormément aussi les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui sont ici à Ottawa, Gatineau. Les hommes de Dieu qui sont à Edmonton, à Halifax, qui n'ont pas eu peur d'envoyer leurs chrétiens. Parce que, oui, on peut acclamer le Seigneur pour ça. Parce que il y a plusieurs qui ont peur, qui disent que si tu vas étudier à BCC, tu vas développer une autre vision. Et je me disais, c'est quelle vision en fait? Ce n'est que la vision de Jésus-Christ. Donc, merci homme de Dieu de nous avoir fait la confiance. On n'a pas vraiment volé vos chrétiens. On va les envoyer et vous les remettre. Amen. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas question de compétition, c'est question de complémentarité. On doit se compléter l'un à l'autre. Et c'est ça le royaume de Dieu, et c'est ça la beauté d'être chrétien. C'est pour cela que la vision de BCC dit qu'on est là pour former, pour préparer une armée de disciples qui vient de différents endroits pour qu'ils puissent être consacrés au Seigneur. Ici, je pense qu'on a des étudiants qui viennent de Halifax, de Edmonton, il y a des étudiants qui viennent de Toronto, il y a des étudiants qui viennent de Montréal, il y a des étudiants qui viennent de Hamilton, il y a des étudiants que, moi c'est la première fois que je les vois, mais quand je les entends parler, toucher, changer, ça me fait vraiment du plaisir. Parce que même si on est un très grand voleur, on ne peut pas voler tous les chrétiens qui viennent de partout. On ne peut pas voler les chrétiens de Hamilton, c'est impossible. Amen. Donc, je voudrais vous dire merci beaucoup pour votre confiance et pour aussi votre collaboration. En tout cas, au point de vue de BCC, nous apprécions énormément. Alors, maintenant, je vais me tourner à nos graduants et graduantes. Ce matin, j'ai eu un message d'un étudiant que j'ai pu avoir la grâce d'enseigner. Et puis il m'a dit, moi j'étais sur la liste d'être gradué, mais je sens que au fond de mon cœur, que je ne suis pas transformé. Alors, pour ne pas faire du show ou du théâtre, je refuse d'être gradué. Pourquoi? Parce que je sens que je ne suis pas transformé. Chers graduants et graduantes, je pense que vous n'êtes pas habillés pour faire du show. Parce qu'une vie transformée parle beaucoup plus que les paroles. Dans vos églises, on vous attend. Dans vos familles, on vous attend. Dans vos quartiers, on vous attend. Mais aussi dans vos familles. J'ai remarqué une chose, que la maturité spirituelle ne dépend pas des actions que nous faisons. Parce que plusieurs d'entre vous, vous faites l'œuvre de Dieu dans vos églises. Et souvent, on qualifie quelqu'un qui fait beaucoup d'œuvres comme quelqu'un qui est mature spirituellement. Mais la maturité spirituelle, c'est quelqu'un qui réagit contre des actions injustes en s'appuyant sur la parole de Dieu. Chers graduants et graduantes, j'espère que vous allez démontrer des réactions des fils et des filles consacrés au Seigneur. Vous allez avoir des gens qui vont vous haïr, qui vont vous rejeter, qui vont vous oublier, qui vont vous sous-estimer. Et quand vous allez avoir ce genre d'actions, c'est une opportunité incroyable de démontrer ce que vous avez appris chez BCC. Parce qu'on a appris qu'on doit avoir une vie consacrée au Seigneur.
D'avoir une vie consacrée au Seigneur, comme le visionnaire aimait le dire, tu es un cadavre. Tu subis l'injustice, tu ne dis rien, tu souris. On t'oublie, toi tu rappelles. On te sous-estime, toi tu montres du respect. Et puis, on dit des mauvaises choses, ce n'est pas la réaction d'aller écrire des versets bibliques sur le statut pour démontrer que tu es fâché. Parce que ça arrive. Ça arrive que la sœur ou le frère à l'église t'a sous-estimé et du coup, le dimanche soir, tu écris un très bon verset pour démontrer que tu es fâché. Ça, ce n'est pas une vie transformée. Une vie transformée, qu'on te rejette, gloire au Seigneur. Qu'on oublie de toi, gloire au Seigneur. Qu'on te sous-estime, gloire au Seigneur. Qu'on oublie de toi de t'appeler, gloire au Seigneur. Qu'on dit mal des choses de toi, gloire au Seigneur. Parce que les hommes oublient vite. Mais si tu connais Dieu, lui, il n'oublie jamais. C'est pour cela que mes frères et sœurs, avoir ces cours de BCC, c'est d'avoir, de vivre une vie complètement différente de ce que vous aviez. Et crois-moi, vous aurez des tribulations. Parce que sans tribulation, tu ne peux pas mettre en pratique ce que tu as appris. Donc, je ne sais pas pour faire peur, mais ça arrive, ça va arriver bientôt. Mais tenez ferme dans le Seigneur. Il est le roi, il est vivant, il est réel. Ce que vous avez appris, pratique chaque jour et vos vies vous seront complètement transformées. Alors, sans toutefois prendre beaucoup de temps, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous de partager et de démontrer ce que nous avons fait pendant toute l'année. La promotion 2022-2023, on l'a commencé exactement après la graduation de l'année dernière. Même aujourd'hui, je ne sais pas si le flyer est prêt. Si vous voulez étudier, il y a des cours qui vont commencer au mois de novembre. Pourquoi on doit enseigner? C'est parce que ça a la connaissance, on est facilement manipulable. Mais quand on a la connaissance, on est ancré dans le Seigneur. On commence là au mois de novembre par la grâce de Dieu et puis on va accélérer parce que le monde où nous vivons ici en Amérique du Nord, c'est un monde qui est accéléré. Et nous aussi, par sa grâce, on est parti dans ce monde d'accélération. Donc on donne les cours du lundi au jeudi et dans 3 mois, tu es fini et tu vas graduer comme les autres. Donc si tu as besoin de beaucoup d'informations, on a un flyer ou bien demande au protocole comment s'inscrire. Non seulement on ne fait pas les cours de BCC en classe, mais aussi nous faisons d'autres activités. Par exemple, le week-end prochain, on va faire la retraite. La retraite veut dire on va à 2 heures de Gatineau et puis on a payé 125 $, si je me rappelle bien. Pas pour aller manger ni danser, mais pour prier et chercher la face du Seigneur. Parce qu'on ne mange pas là-bas et on ne boit pas. On a commencé cette activité en 2021, au mois d'octobre. On était 25 ou 26, très peu, sans avoir l'espoir qu'on aura beaucoup plus de gens. Parce que le pays où moi j'ai été sauvé, c'est un pays où il y a beaucoup de péchés, beaucoup de péchés. Tout péché est permis, publiquement et officiellement. Mais il y a aussi des gens qui craignent le Seigneur. Je me souviens, il y avait un homme de Dieu, lui, il organisait les retraites de prière. Où 4 fois par année, il y avait au moins 1500 personnes. Qui venait chercher la face de Dieu pendant 10 jours. Je me dis, Seigneur, donne-moi cette grâce pour qu'un jour,
on pourrait organiser les retraites avec des gens qui viennent de différents endroits. Et grâce à BCC, on est en train de voir les résultats. 2 ans derniers, on était 26. Maintenant, on a un très bon problème. Pourquoi ? Parce que toutes les places sont occupées. On a une liste d'attente. On sera la semaine prochaine avec 226 personnes. 226. Pourquoi ? Parce que les gens, ils ont besoin de cette vie. La vie qui est consacrée au Seigneur. Parce que la chrétienté, ce n'est plus le jeu. C'est question de vivre avec Jésus ou bien question d'abandonner. Parce que le monde est fatigué de nous voir étant comme des gens qui ne donnent pas la vie. Comme la vision dit qu'on doit être des chrétiens qui sont vivifiants, des chrétiens qui doivent donner la vie. Non seulement nous faisons les retraites, mais aussi nous prions pour notre ville. Hommes de Dieu, on prie pour vous à Ottawa-Gatineau. Chaque premier lundi du mois, on prend les voitures et puis on circule toute l'Ottawa. On passe devant vos maisons, on passe devant vos églises et puis on appelle la grâce de Dieu sur vos vies. De temps en temps, on est 7 voitures, 8 voitures. Chaque premier lundi du mois, on est là. Donc, la fois prochaine, rejoignez-nous. Parce que ce qui va changer notre ville, ce n'est pas la publicité, mais c'est vraiment cette vie de prière. Parce que la prière change. Amen. Sans toutefois tarder, je voudrais encore une fois vous remercier. Vous, en tant que graduat, graduante, vous, hommes de Dieu, vous les invités, nous sommes vraiment dans la joie de vous voir. Alléluia. Alors, j'aimerais vraiment vous demander si on peut juste